Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'avais envie de vous faire un petit vlog puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de me faire une sorte de self-care day. Une journée où je vais prendre soin de moi, faire des choses que j'aime. Et du coup je me suis prévu un petit programme, surtout pour cet après-midi. Ce matin, comme vous l'avez vu dans les petits clips précédents, j'ai surtout bouquiné, regardé des vidéos YouTube et bu du café, ce qui est quand même assez incroyable pendant une matinée, ça m'a fait vraiment du bien. Et cet après-midi donc je me suis fait un petit programme, notamment j'ai pris une place pour aller à l'Opéra Garnier, pour visiter l'Opéra Garnier à Paris, puisque je pars dans 15 jours environ de Paris et que je ne l'ai toujours pas vu, donc j'avais envie de remédier à ça. J'ai aussi envie d'aller me balader à Bouligné, qui est un bouquiniste très connu, aussi connu que Gilbert Joseph à Paris, et que je n'ai toujours pas vu, donc j'ai envie de voir si je peux peut-être trouver quelques petites pépites en termes de bouquins. Et puis j'aimerais aussi aller me poser tranquillement dans un coffee shop à Paris pour aller bouquiner, vraiment prendre du temps pour lire. Donc c'est un peu le petit programme que je me fais cet après-midi. Ce matin, vous avez sûrement vu précédemment que je lisais Le Passage de Justin Cronin aux éditions Pocket. C'est une énorme brique de 1200 pages que je lis notamment pour la lecture commune de Cornelius. Si vous ne connaissez pas Cornelius, c'est un booktuber qui fait pas mal de lectures communes et en l'occurrence, pour le mois de juillet, il organisait une lecture autour de ce livre. C'est une sorte de livre post-apocalyptique science-fiction où en fait on va suivre, pour l'instant je n'ai lu que 200 pages, donc comment vous dire que je ne connais rien de l'histoire sur 1200 pages, mais pour l'instant on suit plein de personnages qui sont tous liés par une même chose, une sorte de virus qui a été trouvé au fin fond de l'Amérique du Sud. Forcément, virus, c'est en plein dans le contexte. On va donc suivre ces personnages qui sont liés par cette histoire de virus qui transforme les humains et sur le long terme, les tue. Et en fait, ici, bah, on est surtout sur l'introduction des personnages encore, sur les liens qu'ils ont entre eux et notamment une petite fille qui s'appelle Amy et qui a un rôle à jouer dans cette histoire extrêmement important. Alors, Cornelius a départagé ce livre en plusieurs sections pour qu'on puisse les lire à chaque semaine de juillet. Je suis clairement en retard parce que c'est-à-dire que là, on est à la fin de la troisième semaine de juillet. Il faudrait déjà que je sois à 600, 700, voire même 800 pages. Je n'en ai lu que 260. Mais c'est pas grave, je prends quand même énormément de plaisir et je regarderai son live en différé. Mais je suis contente quand même de faire cette lecture commune parce que ça me permet de lire un livre qui me fait vraiment de l'œil depuis un moment. Qui est en fait le premier tome d'une trilogie. Je ne sais pas s'il faut absolument lire le deuxième et le troisième tome. Mais en tout cas, pour l'instant, ce premier tome est assez prometteur au niveau de la construction des personnages. Au niveau du rythme, forcément, vu qu'on met en place tout l'univers, il y a un peu de longueur par moment. Mais ça reste quand même super intéressant. Je suis surtout très curieuse de voir ce que va donner la suite. Il me reste une centaine de pages avant d'attaquer la deuxième partie qui, j'ai l'impression, se déroule dans une autre temporalité. En tout cas, pour l'instant, voilà, je passe un bon moment et j'aimerais bien me poser cet après-midi dans un café pour continuer cette énorme brique. Voilà un peu pour le programme de ce petit vlog. J'espère déjà sincèrement qu'il vous plaira. Et n'hésitez pas, vous aussi, en regardant ce vlog, à prendre un moment pour vous faire une sorte de self-care day ou une après-midi pour vous. Ça fait toujours du bien, surtout en ces temps compliqués et difficiles pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous et à vous faire du bien. Thank you.
Salut tout le monde, je vous retrouve, il est 8h30, je viens de rentrer chez moi. Je vous retrouve dans mon salon, pour une fois ça change un petit peu des fonds habituels de ma chambre. Et j'ai adoré mon après-midi, ça m'a fait un bien fou. L'Opéra Garnier, comme vous l'avez vu dans les clips précédents, c'est un endroit qui est absolument magnifique, qui a été construit au 19e siècle. Et voilà, c'est un endroit qui est assez emblématique de Paris. Et je regrette absolument pas d'être allée le voir, ça m'a fait vraiment du bien. Et ensuite je suis allée me balader du côté de Bouligny, qui en fait je pensais était beaucoup plus grand, mais en tout cas celui du boulevard Saint-Michel est assez petit, donc en fait j'y suis restée que quelques minutes et j'ai pas forcément trouvé de choses qui m'intéressaient. Et forcément, qu'est-ce qu'il y a à boulevard Saint-Michel? Il y a Gilbert Joseph. Et comment dire que Gilbert Joseph, avec ses 5 étages, je ne pouvais pas ressortir de Gilbert Joseph sans un livre. Et du coup je me suis laissée tenter par un auteur qui m'intéresse depuis un moment, qui est un auteur anglophone, qui est Malcolm Gladwell. Ici j'ai pris Face aux inconnus aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai vu surtout passer sur la communauté anglophone de BookTube sous le nom Talking to Strangers. Et en fait ici c'est un livre de psychologie, donc il s'agit de la non-fiction, sur la perception qu'on a de l'autre et comment on arrive à ne pas comprendre en fait l'être humain qu'on a en face de nous de manière générale. Et ici en fait Malcolm Gladwell va donc reprendre en fait des exemples soit de notre vie quotidienne, soit aussi des exemples historiques de non-compréhension et d'où ça vient et comment gérer ce genre de situation. Pour l'instant c'est assez flou évidemment, j'ai juste lu quelques pages dans l'introduction dans le RER, mais pour l'instant c'est pas mal. Je ne sais pas trop si j'accroche à la plume, mais en tout cas les exemples qui sont utilisés et analysés sont plutôt intéressants. Donc je verrai bien, puisque c'est quand même un auteur qui est très très connu en non-fiction, surtout aux États-Unis. Du coup j'avais bien envie de voir ce que ça allait donner. Et c'est un livre évidemment que j'ai acheté en occasion, parce que passer à Gilbert Joseph et acheter du neuf ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je l'ai eu pour 5,50€, ce qui est pas grand chose. Donc j'ai fait une petite économie et j'espère qu'en tout cas ce livre sera à la hauteur de mes espérances. Et du coup de mon côté, après ce passage à Gilbert Joseph où j'ai passé quand même 2 heures à regarder les livres, je me suis posée dans un petit café qui s'appelle l'Entre-deux Ninon, je crois que c'est ça, pour boire un petit thé glacé. Et du coup j'ai continué le passage de Justin Cronin, donc j'en suis à 300 pages, donc j'en suis à 60 pages de la fin de la première partie. Ça ne s'accélère pas énormément, mais j'espère sincèrement que la suite sera quand même beaucoup plus rythmée. Mais en tout cas j'apprécie toujours autant. Je me suis posée, j'ai lu une 40aine de pages dans le café. Donc j'y suis pas restée très longtemps, vu que j'étais déjà restée très longtemps à Gilbert Joseph. Mais ça m'a fait du bien de me poser dans un café, une sorte de retour à la vie normale, entre gros guillemets. Donc voilà, j'étais contente de bouquiner. Donc là, je viens de rentrer, j'ai la dalle, donc je vais me faire à manger. J'ai prévu de me faire des petites faritas végétariennes, je vais vous montrer tout ça, avec du maïs, des haricots rouges, des oignons. Tout ça avec de la sauce salsa et du fromage, donc tout ce qu'on aime. Et me poser devant ma série coréenne du moment qui est Startup, qui est sur Netflix si vous ne connaissez pas. C'est une série un peu comédie romantique dans le domaine des entreprises et des nouvelles entreprises que sont les startups en Corée du Sud. Et c'est super sympa comme série, ça me donne le sourire, ça me fait beaucoup rire et ça remplit en fait tous les critères que j'aime dans les séries, en tout cas dans les dramas coréens. Donc je vais m'y mettre et commencer à faire à manger. Je vous retrouve le lendemain pour conclure ce petit vlog. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Alors je sais que je fais très très peu de contenu en ce moment, mais je reviendrai en force début septembre avec pas mal de contenu à la fois bouquin mais aussi pour mes études.
Donc je voulais vous montrer un peu cette petite journée que j'ai pris, où j'ai pris du temps pour moi, et je vous invite sincèrement à le faire aussi pendant ces vacances avec forcément les mois et l'année qui vient de précéder et qui a été assez lourde. Du coup ça m'a fait vraiment du bien, et vu que je lis en ce moment un livre qui fait 1200 pages et que je risque de ne pas le terminer tout de suite, forcément en termes de vidéos sur des bouquins c'est plus compliqué. Je profite aussi de mes dernières semaines sur Paris pour profiter de la ville un maximum avant de retourner sur Nantes pour les vacances, et ensuite de retourner sur Lille fin août pour mes études. Donc forcément je profite aussi et je lis beaucoup moins. Donc j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre lecture du moment, votre pile à lire de l'été si vous en avez fait une, ça me ferait super plaisir de la lire et de voir un peu vos petites lectures du moment. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!